Mais nous, les femmes, notre rôle, c'est de prendre tout ce qui est positif de Biggie, de partager tous les jours sur notre page. Moi, mon travail là, ma page qui a été sautée là, si même tu vas, si tu vas actuellement sur ma page là, tu vas pas voir autre chose. Même moi-même, je me suis coupé de mettre, de publier mes photos. Avant, quand moi j'ai commencé TikTok, c'était mes photos que je publiais. Mais depuis que j'ai commencé à suivre Biggie, je n'ai jamais publié, même si Palmer a toussé, toussé des Palmer là, j'enregistre et je publie. Parce que c'est mon droit qui est là. Quand les gens découvrent ma page, ils doivent découvrir ce que ma star fait. C'est pour cela que je dis, si chacun connaît son département d'intégrité, il n'aura pas de problème. On ne peut pas empêcher des gens de riposter contre les ennemis. Ça, c'est impossible. Au fait, moi, je veux parler que les gens n'ont qu'à laisser les pages, est visible de Biggie qui font des ripostes là. Les gens n'ont qu'à les laisser faire leur travail comme il se doit. Moi, je te prends un exemple. Dame Marfa, comme ça, c'est à cause de toi que je l'ai connu sur ton live. Mais Dame Marfa, aujourd'hui, j'ai son numéro, il a mon numéro. Il y a des trucs que moi, je ne peux pas faire. Mais comme lui, ici, connaît dans ce domaine, moi, quand je vois quelque chose qui peut piquer le voisin, je prends automatiquement, s'il est dans le live, il va te témoigner, je prends automatiquement, je lui envoie. Je lui dis, Dame Marfa, fais un montage de ça, fais une riposte. Ça, je ne peux pas mentir. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que je ne suis pas habilité à ça. Moi, ma page, je dis, tout ce qui est visibilité de ma star, republication de tout ce qui est visibilité de ma star, c'est ma page qui est là. Mais le montage pour pouvoir faire des ripostes, tout le monde sait que la page de Dame Marfa, c'est pour se moquer de ceux qui s'en prennent à Biggie. Donc quand je vois quelque chose qui peut piquer le voisin, automatiquement je lui écris en PV WhatsApp. Je lui envoie, je dis, ah voici ce que j'ai découvert, prends ça, fais un montage. Quand il fait, il m'emmène un retour. La chanceuse, j'ai fait un retour. Nous sommes beaucoup comme ça qui ne pouvons pas faire, mais nous on sait que lui il est là pour des ripostes. Riri, comme ça, je n'ai pas son contact. Sinon, j'allais travailler aussi avec Riri. Parce que si tu le, celui qui salit l'image de ta star, ne lui donne pas le temps. Prends ton élément aussi, salit son image. C'est ça le game. C'est ça le showbiz. Tu ne laisses pas quelqu'un détruire l'image de ta star. Celui qui détruit l'image de ta star, toi aussi tu détruis son image. Celui qui nettoie l'image de ta star, tu nettoies aussi son image. Parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent les découvrir. Mais le rôle des fans, les fans aujourd'hui, le problème c'est nous les fans. C'est nous les fans parce que on ne travaille pas comme il se doit. Parce que si Palmer a mis une vidéo tout de suite, automatiquement le rôle de tous les fans, c'est de prendre que chacun mette ça sur sa page. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Il y a beaucoup de fans qui sont dans Atégrigri, qui disent qu'ils supportent Biggie et Palmer. Ce sont des fans. Mais eux-mêmes, ils se protègent eux-mêmes personnellement d'abord. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens découvrent qu'ils sont fans de Biggie dans l'optique qu'un jour, on puisse les afficher avec leurs parents. Donc, eux, ils sont fans. Ils ne font pas de publication. Ils ne font pas de republication. Il y a ce genre de personnes. Et ce genre de personnes, ils sont beaucoup à vouloir critiquer le travail de ceux qui s'affichent. Ils sont beaucoup à vouloir critiquer le travail de ceux qui s'affichent. Parce que toi, tu ne décides pas de t'afficher parce que tu protèges ta famille. Mais celui qui prend l'engagement de pouvoir s'afficher, c'est qu'il est en train de faire. Même si tu veux lui parler, parle-lui avec respect. Ne lui impose pas des choses. Parce que lui, il a sa famille aussi. Il n'a pas regardé à sa famille et puis il s'est exposé. Donc, quand tu veux lui parler, il faut savoir lui parler. Parce que ce que tu ne peux pas lui faire, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas lui imposer de ne pas faire. Parce que toi, tu te protèges. Mais tu ne peux pas lui imposer de ne pas le faire. Donc, il faut que les gens aussi sachent ça. Celui qui a décidé de s'exposer, c'est parce qu'il a mis en priorité sa star. Il est prêt à tout à assumer pour sa star. Donc, quand il est en train de faire quelque chose, quand on veut lui parler, sachons lui parler dans le respect. On ne peut pas lui imposer quelque chose. Parce que chacun est libre.
Mais quand tu dois dire à quelqu'un, vous aimez trop ça, vous aimez trop ça, pendant que toi-même, quand on va aller sur ta page, tu ne fais rien. Mais c'est toi, tu te plains que les autres font trop, de trop. Mais les gens n'ont qu'à savoir, dans le showbiz, l'image d'une star, ça se protège, ça s'entretient, ça se valorise. Le game là, celui qui ne veut pas de toi là, tu ne feras pas de publication positive contre lui. Même s'il a fait quelque chose de bon, tu ne m'as jamais dit que c'est bon. C'est ce qu'eux ils font. Aujourd'hui là, ils ont vu que le dosage est trop fort, c'est pour cela qu'ils ont diminué. Ils sont en train de... Mais s'ils sont en train de rabaisser, abaisser leurs mains, nous aussi on va abaisser nos mains. Mais avant qu'ils abaissent nos mains là, on n'a qu'à se dire la vérité, ils se sont trop atténués sur notre star. Ils l'ont trop appuyé, ils l'ont trop humilié, ils l'ont trop rabaissé. Donc si nous, nous sommes dedans aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens ralentissent notre élan. Le jour où on sera fatigué, on va baisser nos bras. Mais il ne faudrait pas que les gens imposent quelque chose. L'image d'une star là, les gens n'ont qu'à savoir que derrière derrière la carrière d'une star, il faut toujours réactiver la flamme. Il faut toujours réactiver la flamme. Ce que les gens appellent la publicité, c'est quoi la publicité? Ce n'est pas de la publicité. La publicité qu'ils font, ils ne sont pas en train de parler positivement de la personne. Ils sont en train de parler des mauvaises actions de cette personne. Donc tu ne peux pas être en train de parler des mauvaises actions d'une personne et faire sa publicité. Et non, non, non. Tu es en train de montrer aux gens que ce que la personne vous fait croire que c'est comme ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la publicité. Une publicité, c'est quelque chose qui sort en positif. C'est ça qu'on appelle de la publicité. Tu n'es pas de même bord que la personne, mais tu es en train de parler de ses loges. Non, il est beau, il travaille. C'est de lui faire de la publicité. Mais parler de lui dans son domaine négatif, ce n'est pas de lui faire de la publicité. C'est de montrer aux gens que cette personne n'est pas une bonne personne. Les gens n'ont qu'à aller en communicate time. Ils sauront que on n'appelle pas ça de la publicité. Donc, c'est nous les fans qui devons travailler sur l'image de notre star en publiant tout ce que nos stars nous donnent. Les pages qui sont là pour travailler, pour la riposte, ils n'ont qu'à les laisser faire leur riposte. Ces pages-là, on les appelle des pages de riposte. Parce que tant que l'autre parle négativement de Biggie, il faut qu'une page de nous sorte pour parler négativement d'eux. Mais on n'a pas le droit, en tant que fan de Biggie, de prendre pour partager sur nos pages. On peut aller commenter, on va aller rire, on va aller les saboter sur les pages de riposte. Mais on ne partage pas sur nos pages. Nous, nos pages sont dédiées à nos stars. C'est ce qui fait que, si moi j'ai partagé, toi tu as partagé, tous ceux qui sont dans ton live, partage la photo qui est derrière toi, on va prendre les réseaux. Mais si vous partez prendre la riposte peut-être de Dame Marfa, moi je ne peux pas cacher, moi je travaille avec Dame Marfa. Oui, je le dis haut et fort. Moi je travaille avec Dame Marfa. C'est ce que les gens ne savent pas. Parce que moi j'ai dit à ma page, ce qui passe sur ma page, c'est de tout ce qui est Biggie. Mais Dame Marfa, il a une page, ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas. Aujourd'hui, le monde du showbiz, c'est le buzz ou rien. Les gens n'ont qu'à se mettre ça dans la tête. Même les stars américaines, pour te garder toujours en premier rang, c'est pour cela qu'on dit, le slogan dit, le buzz c'est la résilience. Le buzz c'est la résilience. Si tu n'as pas une armée de résilience pour te tenir sur la brèche, tu tombes. Tu tombes, ton image s'éteint. Ton image s'éteint. Donc, laissons les gens travailler, que chacun dans tes grilles connaisse son domaine. Que chacun connaisse son domaine. Les fantômes sont là pour les ripostes de combat. Les liveurs sont là pour les publicités, pour parler des événements de nos stars, des décortiquages positifs. Les pages de riposte qui sont là pour le combat de tous ceux qui nuisent l'image de nos stars sur les pages, eux aussi ils sont là dans leur domaine. Nous les fans, c'est de republier tout ce qui est de nos stars. Mais aujourd'hui tu vas sur la page de Biggie, Biggie il va mettre quelque chose. Le nombre de partages, le nombre de republiements, le nombre de duos, c'est comment?
au lieu d'accuser quelqu'un, nous-mêmes là, vous accusez les autres qu'ils sont là, ils font de la publicité. Vous-même, vous faites quoi? Si vous ne prenez pas le temps de prendre la publicité, de casser la baraque sur la page de vos stars. Si vous ne prenez pas la peine de faire de casser la baraque, Bigini, regarde, depuis quelle heure Palmer a mis une vidéo. Va regarder sur la page de Palmer. Il y a eu combien de duos? Il y a eu combien de publications? Il y a eu combien de messages? Il y a eu combien de réponses? Donc vous voulez qu'on sache qu'ils ont des actualités tous les jours? Comment vous voulez qu'on sache? Si eux, ils ont mis, il y a beaucoup d'hommes qui ne les connaissent pas. Si vous, leurs fans, vous ne prenez pas ça pour partager partout sur vos pages, comment les gens sauront qu'ils ont fait des publications? Au lieu de vous en prendre à des pages qui font des ripostes, s'il n'y a pas de ripostes, comment les gens vont savoir qu'ils ont des combattants aussi derrière eux? Non, attends, et la chanceuse, attends, il me l'a comment il m'a dit, c'est-à-dire, tu as trop de trucs là, tu as trop de recadrer encore. Et puis je vais te recadrer à Mehdi encore. Parce que, oui, vas-y, mon grand frère. Je suis là pour voilà, ça. Vas-y. Parce que quand tu parles comme ça, les gens vont penser comme si que moi, j'ai en train de dire de ne pas truc. Je dis bel et bien que nous, les fans qui sont ici actuellement, à un moment donné, on a la publicité gratuite que voisin. Moi, j'ai tout le temps dit que les gens qui sont là, Benika Rolledo, les vivements, Oluka, Orolie, Djoumé, vous voyez, moi, je suis bon, car Foucault est bien, il va faire que les vivements sont là pour ça. Nous, les fans qui font le live, nous, on est là pour que Kassé a décortiqué, quand j'ai demandé de faire nous. Les pages qui sont là, Beba de Damarfa qui a fait un Beba de Rivi qui a fait un Beba de Féoro, j'ai dit, elle a riposté l'uniforme. Ce n'est pas le rôle de tout le monde, mais tout le monde voulait faire. Et voilà, c'est ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, en voulant trop faire, on oublie nos stars. C'est et ça. Et puis on a oublié nos stars. C'est ça que j'ai en train de dire. Oui, sinon, oui. Moi-même, j'ai été clair à Dame Alpha. Je dis que vraiment, le travail que tu fais, il faut la demander. Il va te dire. Je sais. Donc, tu nous l'as fait tantôt. C'est-à-dire, avec Eva, il faut indexer le bigaké. Donc, comment il est le dit quoi? C'est ce que je voulais te faire comprendre. Oui, je t'ai compris. Non, en fait, tu n'as pas parlé sur Pagika. J'ai dit que moi, mon nom, Nasro, Olu Kafeno, par exemple, Olu Diagwado, parce que on va pas jouer au Benino. Nous fana beni feni keo. Donc, il faut que Pagido fana kasso même ce que Olu fana gauchi. Facebook, imagine, il y avait un moment donné. MJD, mais publication de Fenno, mais il y avait Aïcha Sampré qui était là pour le truc. On voit tout maintenant, ce que moi je voulais dire tout simplement est que la chanceuse, imagine, Femi Béni, elle a 100, parlons sérieusement, Femi Béni, 100, elle a 100, Béni Palmer, quand il y a Joana, quand il y a Fembe Kambi. Pour nous sortir kodo, on enfin nous fera disposer kodo. On a causé la carrière de ce diable, on fera une corvée en bois, mon mari est caminqué. On est concerné, sous mon mifle de ni mes n'agit pas ici. C'est ça. Donc moi je m'en délire quand on est. Mais moi j'ai vu que il faut voir l'engouement mi bala. À côté la téma fort, on me voit la trame. Alors que à côté la fort, par exemple, on a trouvé et disque d'or d'état. Mais disque dormi nous, à nos maglans a dit mon ma forme. Parce que ni rien, ni n'a toujours la dire quoi. Vraiment, tu dois être épaté dedans quoi. C'est du mais n'y a pas là. Voilà, n'y a pas là, mais on est comme 600. N'a même pas comme minke djiangono, amanye chin, soumou maka soumouke. Ni soumou banane, objectif ou la dobe ko, atteint amanye chou ou objectivement. Mais la lutte continue, diakwa de lutte continue, parce que au lutte n'a d'or. Jamais. Nous, c'est nous, que là, on va reculer. Ou ta stratégie voilà une canon. Donc on a il faut imaginer ça par exemple. Les phénomènes qui sont autour d'eux. Est-ce qu'à l'air là où Maïre Kilia? Aïe, tout le monde a fui. Jusqu'à un moment on dit on a qu'à baisser les âmes. Mais Adjatem les blancs, tellement que comment tout d'un, Adjatem les pour qu'il y ait qu'à famille. Analyse Adjatem les blancs. Imagine. Et Paji Mimi Mouke Bini la kate, mais Paji Bek en Djemono, sa maîtresse de l'eau. Malena, l'objectif que la joigne, vous battez à vous.
Aïe. Non, mais avant Bouba même là, il avait écrit que non, il va plus se focaliser sur elle. Qu'il va se focaliser sur sa star maintenant. Parce que tellement qu'il n'a plus rien à dire. Voilà, parce qu'il n'a rien à dire. Voilà. Parce que pour lui, il est fait au rendez-vous. Parce que comment tout le boulot a fondé. C'est parce ça. Parce que nous, tout le monde, nous, mais pour le moment, nous connaissons ça. On t'a fait n'aille quoi. N'a pas, par exemple, pour la bouchine, il fait le boulot. Il m'a dit, Annie, imagine une flou. Il m'a dit, a essayé de déformer pour la capote. Bin, j'ai te dit une chose. Ce qui est un peu ralenti son élan, tu sais, avant, comme tu le disais, c'est Aïcha Sempré qui faisait des ripostes. C'est Aïcha Sempré qui faisait des ripostes sur Facebook. Et tu vois qu'il avait tellement la force que, quand aujourd'hui, après il y avait Riri, Riri était seul. Mais quand il a vu que Dame Marfa s'est mis sur Riri, et que leur riposte était un peu plus fort, tu sais, quand tu prends le niveau, le niveau sur ton adversaire, il n'a plus de force, il trouve que il perd son temps avec toi. Oh, que c'est parce que tu as pris le niveau sur lui. Tu as vu, non? Donc, au fait, ce que tu as dit là, c'est pour cela tout à l'heure, quand je voulais commencer, j'ai dit, je m'excuse parce que c'est mon avis personnel. Parce que moi, j'étais là, mais je ne pouvais pas monter sur des lives. Je ne pouvais pas monter sur des lives. Donc, c'est pour cela que je disais que les gens, on n'a qu'à rester ensemble. Les gens n'ont qu'à, les fans n'ont qu'à se mettre dans la tête. Nous, les fans, notre rôle, c'est de publier. Si 100 personnes, 1000 personnes, 50 personnes, Bigini met quelque chose à une minute. Si moi, j'ai publié, toi, tu vois sur ma page, tu prends sur ma page, tu publies. L'autre voit sur la page de l'autre, il publie. Les réseaux seront pris. On n'aura même pas le temps de voir ce qui est tu. En fait, si chacun connaît le domaine de chacun, on n'aura même pas de problème. Mais les fans n'ont qu'à. Moi, ce que je veux que les fans sachent, eux, là, leur page, là, ça n'a qu'à être dédié à tout ce qui est publication de Biggie. Dès que tu vois, moi, comme ça, je t'ai dit que dès que j'ai une notification de Snap, je me dis automatiquement que peut-être c'est Palmer. Je dis, chaque seconde, je vais vérifier si Snap. Chaque seconde, je vais sur Snap. Parce que je cherche toujours des nouvelles actualités de lui. Quand je vois Biggie, sur TikTok, quand il balance quelque chose sur mon ancienne page, j'ai des notifications. Donc, si tous les fans, on se focalise sur nos pages, de nos stars, de republier ce qu'ils nous donnent. Les gens qui font de bonnes interviews, les bonnes choses de nos stars, on les republie. C'est ça qui est notre travail. Les pages de riposte font leur travail. Les pages, les fantômes font leur travail. On ne mélange pas les pieds de chacun dans leur domaine. Je pense qu'on n'aura pas de problème. Voilà. Mais c'est nous-mêmes les fans là. On laisse ce qui est important pour aller republier ce que, qui n'est pas à notre niveau. C'est ça qui n'est pas bon. Voilà. C'est ça qui n'est pas bon. On s'en va republier ce qui n'est pas à notre niveau. Tu as tout compris maintenant. Si on partage ce qui nous arrange, on prend ça. Les pages, moi je dis, voici un message que je donne à tout le monde. Les pages de riposte là, je prends un exemple. Dame Marfa, je vous dis, je ne cache pas, moi je travaille avec Dame Marfa. Il y a Dame Marfa, il y a Riri, il y a Couple Kate, il y a une autre page là. Ces quatre pages que moi je connais là. Tu vas sur les pages, ce qu'ils ont mis là. Tu t'en vas mettre comment? Tu t'en vas te moquer en bas. C'est tout. Et tu descends. Tu n'as pas droit à publier. Tu n'as pas, tu ne peux pas publier. Parce que eux, c'est leur domaine. Eux, ils sont en guerre avec eux, les autres pages qui sont qui font ça contre Biggie. Eux, ils sont en guerre avec ces pages-là. Donc, eux, c'est leur domaine. Ils ont d'autres pages où ils suivent les lives. Qu'ils ne font pas ça sur leurs pages. Ils ont d'autres pages. Les gens n'ont qu'à se mettre en tête. Hein. Ils ont d'autres pages où ils font les publications de Biggie, mais ils ne mettent pas les pages de moquerie ou des ripostes dessus. Mais la page de riposte, eux, ils sont là pour combattre ceux qui viennent combattre Biggie. Donc, nous, on va regarder, on va mettre les commentaires pour se moquer, pour qu'eux, ils sachent que nous aussi, on a une armée derrière nous. C'est tout. Le reste là, nos pages là n'ont qu'à être dédiées à tout ce qui est partage de nos stars, positivement.
C'est tout. Si chacun connaît son domaine comme ça, les réseaux là, on va toujours les maîtriser. Toujours. Ouais, maintenant, moi je vais sur le côté un peu l'histoire de polémique. Les gens, la dernière fois j'ai expliqué sur ton live, derrière une star, il faut toujours innover. Il faut toujours créer. Il faut toujours parler. Les polémiques, quelqu'un est sorti pour insulter ta star à midi. Toi, tu sors à midi une minute pour répondre à cette personne et tu rentres. On n'appelle pas ça de la polémique. C'est le droit de réponse. Ce n'est pas de la polémique. C'est un droit de réponse. Mais ce qu'on appelle de la polémique, quelqu'un ne s'est pas touché à ta star. Et toi, tu t'en vas prendre un problème qu'il est en train de faire, qui n'est même pas lié à ta star, pour venir déposer ça sur la tête de ta star. C'est ce qu'on appelle créer des polémiques. Parce que tu es en train de créer une polémique envers ta star qui n'est même pas liée à ta star. On appelle ça, tu es allé provoquer problème pour venir donner à ta star. Ouais, mais si la personne est sortie à parler négativement de ta star, à dire des choses qui vont à l'endroit de ta star, qui dit des choses qui salissent l'image de ta star, tu as le droit de... Même si tu peux faire sortir ton live, tu fais asseoir ton live pour donner un droit de réponse. Oui, tu es dans le plus droit. Parce que la personne s'est indexée à ta star. La personne a parlé de ta star. Donc tu sors pour donner ton droit de réponse. Ça, on n'appelle pas ça de la polémique. Mais la polémique, genre, je prends un exemple. Les gens sont en train de faire leur événement au Congo, à Pointe-Noire. Ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire leur truc entre eux. Ils sont en train de s'amuser. Ils n'ont pas dit nom de ta star. Ils n'ont pas dit nom de quelqu'un. Ils n'ont pas dit nom de ta star. Toi, tu t'en vas prendre. Tu viens faire asseoir un live. Et tu viens décortiquer ce qu'ils viennent de faire, qu'ils n'ont pas dit le nom de ta star. Mais ça, on appelle ça de la provocation. Maintenant, on appelle ça de la provocation. Tu me rejoins maintenant. C'est maintenant que tu es en train de me rejoindre un peu maintenant. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. On appelle ça de la provocation parce que tu es en train d'aller chercher des polémiques pour venir déposer sur la tête de ta star. Ça, on appelle ça de la polémique. Parce que ça n'a rien à voir. On n'a pas dit le nom de ta star là-bas. S'il y avait un Koramantigay qui sortait ou ça l'indexait, là, tu as le droit de venir t'asseoir pour dire que non, tu as une riposte. Mais tu n'as pas entendu le nom de ta star. Tu n'as rien dit. On n'a pas dit. Nous, on ne peut que s'asseoir, regarder ce qui se passe. Et puis, on passe. Merci. Ça, c'est pas tu. Mais la personne vient, il te dépose quelque chose qui ne te plaît pas envers ta star. Toi, tu as le droit de sortir. Mais quelque chose, s'il y a des quanticages de pointe noire à faire, Bouba est parti, on regarde ce que Bouba nous a montré, on parle des merveilles du mariage qui n'a jamais été vu dans le monde entier qu'on vient de nous donner. Pour parler, pour dire, on peut faire soi des lives pour dire merci aux fans athées gris-gris de Pointe-Noire, parce que Biggie a fait un concert à Pointe-Noire. Il y a des fans athées gris-gris à Pointe-Noire qui étaient présents dans ce concert de ce mariage. On peut leur dire merci parce qu'ils ont été représentés notre star. Mais dit que quelque chose qui n'est pas au niveau de notre star, venez faire soi un live. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas à notre niveau. Donc, quelqu'un qui s'en prend à ta star, quand tu réponds, ce n'est pas de la polémique, c'est ton droit de réponse et c'est ton devoir de répondre. C'est ton devoir de répondre. Mais celui qui s'en va chercher quelque chose qui n'a rien à voir avec ta star, et puis tu vas venir, qui va envoyer une autre guerre, la femme en train de vivre, c'est son love que aujourd'hui, nous tous les femmes, on cherche, on ne gagne même pas vacances, on dit qu'on va partir au marché et à côté de la lagune. Elle se promène d'avion à avion, de ville en ville, de pays en pays. Son mari est en train de lui faire le tourisme. On ne va pas parler de ça. On va laisser ça pour aller prendre quelqu'un d'autre. Hein? Même si tu t'en prends quelqu'un d'autre là, il faut savoir prendre. Il ne faudrait pas que tu partes créer quelque chose qui va se retourner contre ta star. Merci. C'est tout. Donc, c'était ce que je voulais éclaircir un peu. Quand il y a des personnes, tu peux leur donner la parole.
Tamagé. Oui, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Aoube. Comment allez-vous? Bashi tila wala. Bashi foitena. Ba, ki wala ni. Palmer na ga musu kube damuna re. Ay, mi damu fo ma do wala, ni de balma balla je wala. Depuis RP. Depuis ben assimilé pour depuis ben je milé pour. Et de la ka jeri jom kan yeta. Ni palmer ni binité. Wallahi. Wallahi ma deli ka yiniela. Ça t'a fait un peu de temps. Merci. Oh là bébé là. Star, bébé parle là. Je te dis quelque chose. Hein. Bébé parle qu'elle a là. Il est une marque déposée. Ah ouais. C'est une marque déposée qu'elle a là. Bébé parle là. La personne qui veut voir visage de bébé parle là. C'est société qui va venir payer image de bébé parle là à des millions. Et puis visage de bébé parle va sortir. Bébé parle n'est pas n'importe qui. Hein. Bébé parle là, il est comme le fils de Michael Jackson. Quand Michael Jackson a eu son fils là, pour voir le visage du fils de Michael Jackson là, c'est j'ai oublié le nom du journal là qui voulait acheter, qui a proposé des millions de dollars à Michael Jackson pour pouvoir mettre l'image de son enfant dans son journal seulement, dans son magazine. Bébé parle là. Où il est là? Si ses parents ne sont pas devenus riches à cause de bébé parle là, ses parents vont devenir riches. Parce que le visage de bébé parle là, c'est des millions de dollars, des millions d'euros que la personne va payer pour mettre dans son magazine. Et puis tout le monde va voir le visage de bébé parle. C'est pas bébé parle là, c'est pas namara de. Ha. La chanson est là aussi là. Est-ce qu'il y a aussi là? Wallahi, bébé parle même quand tu vas le croire seulement. On va bela djelé ne ba. La chanson. Est-ce qu'il y a bébé parle aussi là? Est-ce qu'il y a aussi là? Je vois ses cheveux là-bas. Ses cheveux là seulement à prendre pour se soulager. C'est le cheveu de son père. On va prendre cheveux là pour se soulager. Moi je suis d'accord pour ton parler. Hein. Tu sais, Ebin. Bin, on se rend star. C'est pour cela que tonton parle là. Je le respecte. Tonton parle là, je le respecte, je l'admire parce que tu sais, tu peux être né en Afrique, grandi en Afrique, mais tu peux avoir la mentalité et développer la mentalité occidentale. Oui. Tonton parle là. Il a pris un peu le système des stars américaines. Oui, c'est ça. Parce que lui-même, il sait que lui et sa femme, ils sont précieux. Lui et sa femme, c'est des personnes qui sont très précieuses. Donc, ils savent que ce qui va sortir d'eux là sera plus précieux que eux-mêmes. Donc, ce qui sort de eux est plus précieux qu'eux. Donc, aujourd'hui là, en matière de starmania là, il faut savoir se vendre. Et moi, je suis d'accord que tonton Pal ne fasse jamais sortir le visage de tonton bébé Pal. À part un magazine de Vogue qui vient signer un contrat des millions d'euros ou des millions de dollars avec lui pour faire sortir. Parce que bébé Pal, il est plus star que ses parents. Il est star même. Non, on sait. Donc, c'est votre enfant. Vous êtes pressé de voir son image comment? On se crée une société. On se crée de la valeur. Donc, aujourd'hui, là, il ne peut pas vendre son fils à un petit prix. Ça, c'est impossible. En fait, c'est ce qui va amener la différence entre lui et les autres. Le jour où les gens sauront qu'il y a un magazine qui est venu signer un contrat avec lui pour seulement mettre le visage de son enfant dans le magazine. C'est là que vous verrez la vraie valeur de cet enfant-là. Parce que le magazine qui va acheter l'image, quand il va dire
Le lundi, peut-être le lundi 19 juin à 19h20, l'image de Bandjougou et Keïta va sortir dans le magazine à 17h. Mais l'édition du magazine sera vendue en ligne. La personne qui veut acheter, je te dis qu'à 24 heures, tout va finir. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est l'enfant le plus recherché au monde. Il est l'enfant le plus recherché au monde. Donc là, Bin, un enfant qui est plus recherché au monde là, pourquoi ne pas lui donner de la valeur? On va pas déposer son image pour quelqu'un qui va venir le regarder gratuitement. Non, il est le plus recherché au monde. Donc il a droit de la valeur. On doit payer cher pour le voir. Moi, je suis d'accord avec Tonton Pal. Bonjour. Iba Kalama et la chanceuse. Plagidane, Iba Kalama, vous devez parler de tout le monde là. Ça dit, il y a blague, quoi. Ça y a boulou boulou, quand elle a fait. Arrête de clôturer, arrête de faire une complainte derrière là. Donc, Okma, attends ça. Et ça m'a dit, c'est la bonne galotique, non, non, non. Ah, problème, c'est ça. C'est ça, non, non, non. Non, Eh, mina fait le fond, mais on a beaucoup de comment dire. On a fait le fond, on a fait le fond, on a fait le fond, on a fait le fond. Amusement, même à fond, mon fils, il dit à Bin, je te coupe pas la parole. Je vais répondre à Adja Touré. Maman Adja Touré, tu sais, aujourd'hui là, si vous connaissez la valeur de la Starmania là, aujourd'hui, quand vous dites que vous ne voulez pas qu'ils vendent l'image de son enfant, moi je vais vous prendre tonton Alou est dans le truc. Les Américains, les gens des États-Unis là, posez-leur la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait la force des Kimora, Lison, Kim Kardashian, Michael Jackson, les Jay-Z et consorts. C'est leurs images. Ouais, c'est l'image de leurs enfants qui les a rendus des multimillionnaires, des multimilliardaires aujourd'hui. Okay, peut-être que les gens sachent ça. Hein. C'est leurs images. Parce que les catalogues qui publient leurs images les sociétés qui partagent leurs images dans leur catalogue là, c'est des contrats qu'ils vont signer. Les droits d'image sont payés très cher parce qu'ils savent qu'ils ont de la valeur. Mais pourquoi vous voulez qu'on mette on ne vende pas l'image de bébé Bandjougou? Pourquoi bébé Bandjougou là aujourd'hui là il est aujourd'hui même sans le connaître, il est une star interplanétaire parce que tout le monde veut le voir. Tout le monde veut le connaître, tout le monde veut tuer. Donc quelqu'un comme ça là, on ne peut pas le déposer comme ça pour rien, même si on est fan de ses parents. Non, non. Bonjour. Tout ça aussi, c'est un autre combat pour montrer que c'est des personnes qui ont de la valeur jusqu'à on signe des contrats pour voir leur image. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Bonjour, tonton Aliou. Aliou Soron, la chance, comment vas-tu? Ça va, tonton. Ça va, il est bon. Ça va. Ça va. Il va la fin de fond. Rabou d'eau à climat. Au débat, vous avez un an pour Mina. Vous venez à Fam. Il faut imaginer comme Pony. Starou, vous savez, millions de dollars, vous serez imaginé drôle. Oui.
Tapoter, partager. Vous savez, un million de dollars. Oui. Quand nous avons un photographe, on peut avoir beaucoup de talent pour nous. Ta photo de la guerre, 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 photo de Al night, une crise d'ailleurs, bonne drogue à Kumba, drogue à Chadro, par rapport aux millions de Alebou. Abdo, imagine de faire. Starou, non fait. Car pour l'autre, une crise dans un fait. Paparazzi, nous sera là, imagine ta. Agne pour Bali ou bien, avec tout le monde à dépraver les dans un. Ou imagine dans un, non fait. L'autre, on est un million sur le bourre là. Ou nous, on est un paparazzi, ou nous, on est un starou, non fait. Ou bien avion taou non fait, ou bien mobile taou non fait, ou bien terrain taou non fait. L'image non fait. Non, l'image est sacrée. Non, l'image. On a pour l'image là, on fait en bas, en tas d'or, on est là, il va gagner pour ça. Pour la Palmer, c'est la contrat sur compagnie de non fait. Parce que dès qu'on a fait la tâche, on avait réseau qui avait gagné à fond. Compagnie d'or avait mon nom de film, mon nom de film, dès qu'on a fait la tâche, on a fait la tâche. Compagnie doit contacter pour n'aider une photo sur la dame. On veut faire la publicité qu'elle a amené une million à terre d'aume. Oui, bon, nous nous dégâts d'image sur 600. On nous fait des vins à la star ou ma à en me faire d'une image utilisée avec la publicité à bêta par bête partout dans le monde. On peut avoir une million à terre ou un million d'amener un faire un million d'ourdi star ma carbi baoula mouna à ma voir droit pour des images photo drone en. Après, nous avons dit que nous avons dit que parti non fait. Mais star d'or de Belen à Fodota avec hôtel pour nous. Avec une série d'ailleurs avec à Dabrous et parti Babou, parti Margim Babou, ni paparazzi Ota. Au sang, au parti, au repéré mon gars, non, parti Margim Amérique. Ouais. Quand on a eu star pour nous, paparazzi, on a fait un photo à gros, au Wardi. On a fait un Wardi. Alistair Gatas, il a eu un restaurant à la Dominique. Nakera, Fena, Apolola, beginning of Consergera Romna, Apolola. The restaurant of Akrafe, Red Lobster, we find it good enough. But Fred Merlin, Gila Pen, Gulo de Gueno. Obama Kele Pesine, Obama Nanai Nokana, restaurant Nakana, Dominique No. Bin. Le fait que Obama n'a pas dominé, quand Benalla t'a mené, quand Wawla, Alice Arabejo, Arabejo, restaurant Indala, Obama a 8 ans de retard, mais Alice Arabejo, restaurant Indala. Parce que Obama est dominé dans le restaurant à Harlem, Frappin, la Rola. Alice Arabejo, Adala. A quel âge ça va vous dire restaurant a marché? Allô? Oui, tonton, allez-nous, monsieur. Non, 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 tu es là. Ouais. Sans ce, il y a exemple là. Avec encore un Red Lobster. Un des territoires où on a Afrique. On n'en a pas ainsi là, non. On répète ma dala, donc on va me retourner en effet en dala. Tiens, on a Rome, on a Mousso. Ne t'en est pour inviter à ta restaurant avec. Bon, nous pourrons les inviter. Choukoura, ne vous vous bon, on a ta restaurant du Ménard. Ne vous ramenez pas. Africain restaurant d'Ora, Guinéen ou restaurant ou Sénégalais nous faire nous. Non, vous nous venez inviter restaurant d'Ora. Il va nous ramener au Romana. Vous ramenez au Romana. Au Romain Dominique au Romana, il est l'officier qui a dominé. Mais pour vous, mais vous, et ça va, qu'il a aucun apport à nous, pas mal à dominer le rôle à nous. Aucun apport à venir inviter, car on ne va avoir Bocan, on ne va pas Bocan, on ne sera pas encore. Faut-il qu'on ait une soirée de coups.
olu fana bɛ ni bila u ka histoire la ka fɔ dɔ ni fɛnw ta k'a k'u denw ye k'olu nana dumuni kɛ Harlem ko Obama ye dumuni kɛ restaurant na k'olu ye dumuni k'a o restaurant na cari imagine tɛ mɔna mɔna ko ye c'est pour te dire que yan farafinw bɛ fɛn dɔw lagosi a man ka lagosi imagine nɔfɛ. Mais d'autres même qui tirent des étages même pour tomber, tout ça là parce qu'ils vont prendre photo. Voilà. La personne même qui va avoir l'image de l'enfant même là, la personne risque même de se faire de l'argent même derrière ses parents. Ouais. Parce que l'enfant, Tonton Aliou, je vais expliquer un truc aux fans. Tonton Aliou, je te coupe pas la parole, je vais expliquer. Ouais. Au fait, les gens n'ont qu'à savoir que quand Dieu veut te veut donner la valeur à ce qu'il te donne, ce que les gens n'ont cru que ça pouvait être rien. Quand Dieu veut donner de la valeur, il donne de la valeur. Au fait, les fans à Tegrigi n'ont qu'à se mettre à tête que notre combat tout, c'est de voir Biguini et Palmer différents de des autres artistes de leur génération. Et pour tout, on est prêt à tout pour ça. Parce que dans tout ce qu'on fait pour eux et dans tout ce qu'eux ils font pour nous, leurs fans, il y a toujours de la différence. Ouais. Et cette différence, c'est la création de Dieu. C'est Dieu qui met la différence entre les gens. Tu sais, quand cet enfant-là, sa mère a pris de sa grossesse, il y a tellement de choses qui se sont passées sur cette grossesse-là. Il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de malédictions, il y a tellement de dires qui sont sortis sur cette grossesse. Et quand l'enfant est né, il y a eu tellement de versions sur la naissance de cet enfant-là. Tellement de versions. Aujourd'hui, Dieu dans sa grâce, l'année dernière, son papa nous a montré l'enfant. La première image de l'enfant avec son papa quand ils étaient en culotte dans les rues. Ça secouait TikTok. Ouais. Ça secouait TikTok. Si aujourd'hui, Palmer et Biguini étaient en Amérique et l'histoire de Ate Gregory Royaum qui était sur l'histoire dans une histoire américaine. C'est là les gens allaient voir la valeur. Non, vous pouvez conserver ça. Ils allaient voir la valeur de cet enfant-là. Parce que ici, les gens, même quelqu'un qui va prendre l'image de l'enfant tout de suite, il ne va même pas aller vendre cher. Ouais. Il suffit qu'il s'en vende 1 million. Il s'est dit qu'il a gagné. Mais si c'était aux États-Unis, les paparazzi, même là, même en tant que Palmer est à Argelès. Ils allaient prendre leur voiture, leur avion pour se promener dans toutes les plages d'Argelès pour chercher Palmer et Biguini. Tout ça pour voir leur position. Ouais. Juste pour capturer l'image de l'enfant pour se faire des millions de dollars. Ouais. Donc aujourd'hui, Ate Gregory, c'est la différence. Notre bébé là, c'est pour nous. Il va grandir, c'est pour nous. Rien ne peut le déraciner, c'est pour nous. Même ses pieds même nous suffisent. Ses cheveux même nous suffisent. Mais on n'a qu'à se fabriquer une star. Notre enfant là, le simple fait que déjà, à sa naissance, son cadeau qu'on lui donne un diamant, c'est pour dire qu'il a de la valeur.
aujourd'hui, les enfants des stars américaines, là, pour qu'on parle d'eux, on parle de... Regarde, je prends l'exemple de, du petit TikToker sénégalais qui est venu, qui s'est fait une image en se moquant, républiant les photos des vidéos des gens, et puis il faisait... Il ouvre